bienvenue pour l'épisode 6 de Charmante Campagne. J'ai cru voir un gros minet. Ah, pendant que notre coq... Non mais voilà, à un moment donné, oui, 5h10 du matin, et on a déjà un foutu loup-garou, renard, qui vient squatter chez nous. Il y en a marre maintenant. Allez, chasse-le. Voleur à la coutouffe. Oui, mais bon, ça suffit, moi j'en ai... Oui. Franchement, ras-le-bol, moi, des loups-garous, là. Je sais que c'est pas des loups-garous, mais j'arrive pas à dire renard. C'est toujours loup qui vient dans la tête, ça m'énerve. On commence déjà notre journée par le nettoyage des enclos. Enfin, des enclos. Des abris. Ramasser les œufs. Il reste encore un petit peu à manger. Les niveaux des œufs, nous avons des œufs qui ne peuvent pas éclore. Mais c'est pas grave, on en a 4. On va les mettre tout de suite au frigalateur. On va aussi récolter tout ce que le jardin nous offre. Hein. Nous voyons des petites pommes, des petites poires et des scooby-doo-bidou-bidou. Est-ce qu'on avait de l'engrais encore? De la super vitalité et une vitalité. Je pense que ça va être hyper juste. Mais bon, on va mettre toutes nos chances de notre côté. Ah, j'y crois pas trop parce que c'est que en fleurs encore et il n'y a même pas l'ombre d'une aubergine. Et on va un peu s'occuper de nos animaux. Oh, on a un œuf qui est prêt à éclore. Quand on aura Poulette Blanche qui sera partie, ben on pourra le faire éclore et voir ce qu'on va récolter. Oui, on a récolté du lait à la citrouille épicée qui a été ajouté au carnet. Oh, mais regardez qui vient taper à notre porte. Oh, comme c'est commode. Comme c'est commode parce que ben, la semaine dernière, vous avez voté pour le futur fiancé de Diane. Et bah, bon, bah, c'est Cécile qui a gagné. Et Cécile, c'est lui. Et c'est lui qui vient de taper à la porte. Donc, on va pouvoir le laisser rentrer. Et pas que dans notre maison. Dans notre cœur, évidemment. Oh non, elle m'a cassé la gazinière. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, il est parti. Ah non, c'est bon, il est là. En plus, elle est enjôleuse. Eh, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Tu vas prendre une pause sexy. Oh bah, directement dans le... Hein? J'espère qu'il a pas trop honte de la maison dans laquelle il est rentré, sachant que t'as même pas eu le temps de faire le ménage. Parce que là, c'est pas un petit ménage qu'il va falloir faire. Ah mince, j'avais oublié. Notre petit poussin est arrivé. On va pouvoir aller voir ce que c'est. Regardez le petit poussin qui passe entre les pattes de papa. C'est une femelle. Très bien. Eh ben écoutez, pour l'instant, on va la garder. J'espère qu'elle va grandir. Parce que si elle grandit, elle nous fera des œufs. Regardez-les, eux, là. Oh, calme-toi, Diane. Apparemment, oh. Ouais. Il veut pas trop que tu le chatouilles, mais je pense qu'il fallait aller plus bas. Ça, c'est de l'enlaçage mignonnet. C'est fou parce que ils se connaissent déjà vachement bien et tout. Elle peut déjà se proposer à ce qu'il invite à la maison et tout. Bon, on va débarrasser au moins l'intérieur de la maison. Hein. Bon, j'attends d'attendre les 5000 pour enlever les ordures. Sérieusement. Si on est sérieux 2 minutes, oui. J'ai un vieux renard qui traîne pas loin de mon poussin. Et qu'est-ce que c'est que ce renard complètement bingo? Mais bingo, t'es complètement dingo, hein, aussi. Attendez, chasse-le, là. Mais wesh, la pauvre, il est même pas 17h, elle est crevée, quoi. On va faire une sieste, je vaille au grain. Pour l'instant, il n'y a pas de loup-garou ni de renard. Alors que nous pouvons faire évoluer des petites choses dans le jardin. Ah! Mais l'engrais pousse vite, ne marche plus. On va aller tout de suite, vous savez quoi? On va aller vraiment sur la place, là, pour... peut-être pas revendre, mais au moins acheter du pousse vite, parce qu'on en a archi besoin, même si je pense que c'est mort. On ne pourra pas participer au concours de légumes. C'est Agatha qui tient le stand. Tu vas marchander direct avant qu'elle ferme. Vite, oui, t'es fatiguée, mais c'est pas grave, tu dormiras plus tard. Allez, sale de meuf! Non, tu vas pas vendre tes produits, mais tu vas acheter des produits. Ben, il nous faut de l'engrais. Je te jure que si ça se ferme devant ton nez, je hurle. C'est bon, on va pouvoir acheter notre engrais. Le voilà, notre engrais pousse vite. On va en prendre quelques-uns. Je vais en prendre, allez, 6. Tu as une friandise enjôleuse. Allez, on va y aller. Friandise festive, friandise fruitée. T'es encore là? Et si je te vends des produits? Mais il est 19h, ils font des heures sup? Je peux vendre? Ouais, mais non, alors, hein, on va pas vendre, on reviendra souvent nous marchander, ce sera beaucoup plus avantageux pour nous. Allez, on rentre. On va donc tout de suite fertiliser la culture avec du pouce vite. On a des petits lapins, notre petite poule. Mais, Cécile, tu es déjà revenue? Bah, ok, bah reviens. C'est quand même triste d'avoir son futur fiancé avec soi. dans la même pièce, mais elle est beaucoup trop crevée pour s'en occuper. Qu'est-ce que... Il t'a réveillé? Quel enfoiré! Oh là là, mais il est tellement au palme. Mais c'est tellement facile de draguer ces Sims aussi, quand même. Bon, le premier baiser, on le fera. Quand la maison sera en meilleur état, peut-être. Un environnement un peu plus sympa. Oh non! Eh ben, c'est un fail. Et c'est un dodo par terre, les fesses en l'air. Cécile, n'approche pas. Bon, je sais qu'elle est fatiguée, mais elle va parler un petit peu avec Lucie Trouille, là. Je sais pas, un petit peu de temps en temps, histoire que... qu'on lie une amitié avec. Va te coucher! Oh merde, on a encore un lapin méchant ici. Allez! Au revoir, démon! Retourne à l'état de poussière. Diane, il est 10 heures passées, là. Ah, peut-être falloir se lever. Hein? Un petit pipi, tout ça. Je pense qu'elle a bien récupéré de la nuit, de la journée difficile de la veille. Et puis tu vas manger. Ouais, non mais elle va pas bien du tout. Et puis alors la poussière, c'est un vrai souci, quoi. Comment ça, l'animal coq-brun envisage de partir bientôt? Mais mon bichon, j'arrive! Voilà, voilà, le manger. Elle a joué un petit peu avec notre coq. Je pense que c'est un mâle, hein. Et comme le cliché on dit, si, une fois qu'il a bien mangé, il sera heureux, le coq. Bah oui. Notre pauvre vachette, elle est pas bien non plus, hein. On va devoir la laver. Et puis, bien sûr, la nourrir. Et surtout, la traire. Voilà, le coq a mangé. Bah, il est heureux. Oh, petit lapin, il a un cadeau pour nous. C'est pour ça qu'il attend patiemment. Bonjour, petit lapinou. Ouais. J'adore. Regardez, un petit cadeau. Donne-moi mon cadeau. Une truite. Mais c'est gentil, ça, chaton. C'est gentil. Tiens, on va te faire un gros câlin. Alors, la truite, on va la mettre tout de suite dans le frigo. Ainsi que nos petits laits. Hop, 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 hop. Ah non, ça, c'est dégueulasse, les Sims. Notre lait, il s'est gâté. Vous savez pourquoi? C'était le lait de la veille, là, la citrouille. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu le mettre dans le frigo, il était plus dans mon inventaire. Et là, il s'y est retrouvé comme par miracle. Mais du coup, bah, il a pourri entre-temps. Merci les Sims. Bon, il fait quand même 30 Simplouses à la vente. Oh, pas se plaindre. Oui, 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 pour le jardin, tu vas pouvoir désherber, fertiliser encore avec du pouce vite. Ouais, parce que là, pour l'instant, c'est les ordures qui poussent vite, hein. Pas vraiment ce qu'on veut. Ouais, voilà, la foire de Finchwick a commencé et pff, on a mais rien du tout à récolter. D'accord, ma cocotte, mais c'est la tristesse, quoi. Hé, mais j'avais oublié qu'on avait acheté une box mystère et qu'on avait récolté un super fruit. Eh ben, écoute, go, plante-le. Plante-le, j'avais zappé le super fruit, ce que ça allait donner. Et tu vas tout arroser, évidemment. Oh non, mais j'en ai marre des renards. Ah ben voilà, ça rime en plus. Oh, ma poule blanche, elle est âgée. Mais quel enfer, ça veut dire que quoi? Elle peut plus pondre. Et j'ai encore un cadeau du lapin sauvage. Génial. En plus, c'est celui qui est tout gris. Lui aussi, il est âgé, mais non. Oh, je sais pas si je peux lui donner une petite friandise saine pour le rajeunir. Il lui a offert une crème anglaise, mais t'es chou. Bon, allez. On va aller tout de suite, il est déjà 18 h, oh my god. On va aller au village vendre nos trucs, ouais. Nous voilà au bar du village. On va tout de suite... C'est bon, elle est là. Et on va vendre nos produits sans marchander. Et si on marchande? Et si on marchande, est-ce qu'on vend encore avec 10% de plus? Ça fait 20%. Vous croyez que ça marche? On va tenter. Ah, oui! Oh, alors 25%? On peut vendre nos produits avec 25%, mais quoi? Mais c'est tellement le bon plan. Mais moi, je vais vendre que le samedi, quoi, pendant la foire. Vous marchandez, vous faites des thunes. Ah ouais, non, mais c'est trop bien. Allez, la thunasse, à nous. 31 Simplouses, les bouteilles de lait. Les fruits bourgeons de bonsaï. Je pense qu'on peut tout vendre, parce qu'on peut pas en faire des confiottes. Et on vend tous nos œufs. Aussi, et ben ça fait 1693. Oh, nous avons 6000 Simplouses, mais qu'est-ce que c'est cool! Bah, pour le coup, elle a pas voulu marchander. On va quand même acheter les produits chez elle parce qu'on va en avoir besoin. Alors, je pourrais acheter tout ce qui est fleurs, mais je veux rester un peu plus serpée et pas trop tricher avec les fleurs parce que ce serait beaucoup trop facile. Je vais tenter la graine de soja en vrai. Je me dis que ça pourrait être sympa pour voir si on peut faire des recettes. Allez, ça nous fera 238 Simplouses d'achat. C'est cool! En vrai, c'est plutôt pas mal. Allons voir les participations. Bon, bah, il n'y a personne qui a mis des participations. Par contre, il y a eu de la tarte. Il y a eu de la tarte. Tarte à l'essence de plante vache meringuée. Ok. Et ça, une tourte à un fruit. Celle-là, elle me fait peur. Je vous l'avoue. Mais regardez, en fait, c'est juste une participation. Là, c'est une marguerite normale. Oh, mais si j'avais su... Attendez, attendez, attendez. On va proposer quelque chose. Ah, j'ai des pommes, j'ai de la framboise, j'ai de la chocobée. Il y a moyen que je participe, en vrai. Qualité excellente. Ma framboise a une pomme. Parce que manger des pommes. Regardez! J'ai ma petite pomme. C'est complètement ridicule. Mais c'est trop bien. Bah, pourquoi pas, après tout, hein? Mais regardez-moi ce ciel de malade mental, quoi. Le soleil gigantesque, ce rose, ce bleu. Pff. Mais c'est beau, encore plus beau que la réalité. Bon, il me reste encore une commission à faire. Est-ce que Raoul... Oui, Raoul veut bien que je fasse une petite commission auprès de lui. Allez, on va proposer son aide pour faire sa troisième commission, puisqu'on l'a déjà fait avec la Madame la Mère et Agnès la Dentelle. Donc c'est parti maintenant pour Raoul. Bon, on va prendre celle-là. Avez-vous déjà quitté ce village? Je suis née ici, je recherche un moyen d'explorer le monde au-delà des bois et des clôtures qui semblent avoir défini toute ma vie. Accepteriez-vous de me montrer un peu tout ce que je manque? Ou peut-être même de parler de mes rêves à la mer? Vous avez déjà eu un rêve? Moi, je rêve tous les jours de partir voir le monde. Mais ma vie m'a fait rester ici jusqu'à présent. En attendant, vous pensez que je pourrais vivre vos voyages par procuration? Prenez en photo un endroit lointain et spectaculaire et apportez-la moi. J'aimerais tellement faire comprendre mon rêve à la mer. Ma mère. Vous vous rendez compte que je n'ai même jamais mangé une tarte au chocolat? Je veux juste vivre. Alors nous devons prendre en photo en dehors d'Enferland Begley. On devait parler à la mère, enfin parler avec lui de la mère, de sa mère, quoi. Faire une création, prendre une croix et livrer une tarte au chocolat au livreur de course. Ça, on va en faire du taf. Je me suis toujours sentie très proche de la mère et j'ai l'impression de chercher son approbation avant de prendre de grandes décisions. Je ne sais pas si elle approuverait mon envie de quitter Enferland Begley. Un endroit qui a toujours été tellement important pour elle. Oh, je sais! Vous croyez que vous pourriez fabriquer une création point de croix pour elle et en profiter pour lui poser la question? Je vous en serais très reconnaissant. Comme ça, ça nous permettra de nous y mettre au point de croix. Oh! Et dire qu'il y a le gardien des créatures qui est là et pour l'instant, on ne s'est pas du tout présenté à lui. Parce qu'il faut qu'on fasse des petits échanges avec lui, donc j'ai pas encore eu le temps de le croiser. L'île là, profitons-en. On va avoir une conversation à cœur ouvert, puis on va voir ce qu'il peut nous proposer. Alors, on va voir pour échanger bébé avec lui. Échanger 2 framboises contre une chocobée, bof. Échanger une myrtille. 2 framboises contre une myrtille ou 2 chocobés contre une myrtille. Échanger une framboise, 2 chocobés contre une framboise. Bon, en vrai, on a déjà un peu tout. C'est un peu dommage. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose, donc on va les garder. Mais on fera le commerce un peu après avec lui. Oh, c'est en train de disparaître sous nos yeux ébahis, regardez. Récompense de la foire de Finchwick, une friandise végétarienne, un ruban de participation, concours de plantes. Ah, j'ai gagné les informations sur la friandise chocolatée. La plante que vous avez apportée n'a pas gagné cette fois-ci. Veuillez accepter ce prix de participation. Vous trouverez votre plante dans l'inventaire de votre Sims de votre foyer. Pensez à vous préparer à la foire de vache Finchwick. Ah, va falloir coacher notre petite vachette pour que ce soit la plus belle. Oh, c'est cool, la friandise végétarienne qu'on a gagnée, et ben les animaux mangent cette friandise, produiront des œufs verts, de la laine verte et un lait puissant aux plantes très spéciales pour les Sims intolérants au lactose. Et ben c'est sympa quand même, bon bah on n'a pas gagné, mais au moins on aura participé. Nous voilà revenus à la maison, on va désherber tout de suite les trucs. Ah oui, effectivement il y avait y a quelqu'un qui était passé à la maison. Tu vas désherber tout de suite les plantes. Et puis, ben oui, un petit pipi s'impose, un déjeuner également, enfin un dîner à cette heure-ci, on va pas se leurrer. Et puis, ben, avec nos 6000 Simflouz, allez, on va acheter des sacs poubelles. On va un peu débarrasser le terrain, enfin, oui. Voilà. Non, vous voyez pas la différence? Si, moi je la vois là, c'est... Certes, c'est pas encore nickel. Mais tous les tas d'ordures ont été enlevés. Tous les tas d'ordures ont été enlevés, regardez. Bon, et ben, on a enlevé le plus gros, même la carcasse de la voiture est partie. Regardez, même dans la grange, ici, c'est parti. Même à l'intérieur de la maison, et regardez la chambre. Bon, la chambre est comme elle est, hein, c'est-à-dire qu'un petit peu sale encore sur les bords. Mais c'est mieux. Bon, le lit pour l'instant, on le garde comme ça. On le changera très bientôt. Quand Cécile viendra. Ah bah du coup qu'elle a débarrassé un peu, bah elle peut enfin rentrer dans la grange. Oh! Nos légumes ont poussé. Nos légumes géants ont poussé, alléluia. Oh, j'avais pas vu l'heure, 3 h du matin. Bah, va dormir quoi, enfin je sais pas, à un moment donné. Pour l'instant, elle peut pas encore aspirer ce qu'il y a à l'étage. Parce qu'il y a 0 meuble sur lequel elle peut aspirer. C'est toujours un petit peu problématique, mais ça devrait se régler. Et c'est l'hiver. Oh non, il commence à neiger. Tu vas lui donner une friandise saine. Voilà, parce qu'elle est âgée. Hein. Allez, ma petite poulette, mange donc cette petite friandise qui, j'espère, va te faire du bien et te rajeunir les cellules grises. Voilà, poule blanche est sous l'effet d'une friandise saine. Bah, elle reste âgée, en fait. Oh ouais, mais non, mais ça va pas le faire. Oh, les renards. Tiens, à notre petite vache, tu vas donner une friandise enjôleuse. Mais j'en ai marre. Mais dès qu'il y a un purée de loup, garou, renard, et ben il y en a toujours un autre qui se pointe. C'est chiant à la fin. Oh, du lait à la fraise. What? Du lait à la fraise, mais c'est génial. Ah là là, donc du coup, bah, on n'a pas d'œufs, nous. Hein. Si, on a des œufs normaux, mais il n'y en a pas qui vont éclore. On n'est pas prêt d'avoir des petits, moi je vous le dis. Puis on va bien sûr s'occuper du jardin. On est au niveau 5 de la compétence jardinage et en plus de ça, on peut récolter nos cultures. Et ils sont pas hyper géants, hein. Faut pas top. Hein. Ah, c'est pas grave, hein. On en fera quand même des confitures, des conserves et puis compagnie. Hein. Oui, avant que j'oublie, tu vas également planter la graine de soja. Et Binko qui revient tenter sa chance pour attaquer nos poules. Ou je ne sais quoi d'autre. Salut petit lapin blanc, comment vas-tu? Allez, un petit mouvement de danse pour le lapin. Wouhou, trop cool. Ah, il a kiffé, hein. Super. Hey, j'ai un cadeau spécial pour vous parce que vous êtes vraiment une bonne personne et j'apprécie votre gentillesse et votre amitié. Vous voulez voir ce que c'est? Oh, Suzy aussi qui est arrivée. Salut ma Suzette. Petite sœur, regarde mon futur mec. Bon, pour l'instant, c'est juste un petit théier, mais rien ne s'est fait encore. Oh, il m'offre son cadeau. C'est mignon. Tu m'offres quoi, mon petit chaton? Un cube de fausse viande. Ça va être vachement utile. Hein. Fais gaffe, Diane, hein, parce que si ta sœur, elle passe trop de temps avec Cécile, il va peut-être la choisir, elle, hein, quand même. Ce serait pas de bol, tout ça. Bon, bah, Cécile s'en va. Il reste que Suzette. Parlons un peu à Lucie Trouille. Pour l'instant, je sais pas si on a une bonne relation avec. Et que je sais pas comment ça se débloque en fait. Donc. Ah! Tenue d'épouvantail débloquée! En guise de remerciement pour cette agréable conversation, Lucie Trouille a donné une tenue d'épouvantail et un chapeau d'épouvantail à Diane. Demandez des astuces de jardinage, chercher les graines dans les poches. Alors, on va pas chercher les graines dans les poches, mais pourquoi pas avoir des astuces? Ouais, ce serait sympa. Mais mon coq, il a peur du renard, mais je vois pas de renard là pour le coup. Allez, on y va gaiement. Au repère des petits oiseaux. Parce que pour l'instant, j'ai pas réussi à créer de lien vraiment avec eux. Comme c'est pas tout à côté de la maison et tout, et qu'on a déjà pas mal de choses à faire. Bon, par contre, on va donner un petit cadeau. J'ai offert une poire. Ils aiment bien? Oh oui! Tu vas chanter pour les oiseaux. J'espère qu'ils vont pas te chier dessus. Alors? Ça va, elle a pas trop fait de la merde non plus. Et après avoir chanté, elle danse. Alors du coup, elle a gagné un niveau supérieur de danse, mais... Oh oui, Diane alliée d'amitié avec la volée peut désormais acheter un abri pour une volée d'oiseaux sauvages. Yes! Ça c'est bon, on devait être amis avec un peu tout, c'est-à-dire coq, lama, poule, lapin, renard, oiseau. Et ben, nous avons déjà le coq, nous avons la vache, nous avons le lapin et maintenant les oiseaux. Il manquera le renard et puis aussi ben, un petit lama. Ah oh, du coup ils ont un cadeau pour nous. Oui. J'espère que c'est un truc sympa. Hein. Une friandise épicée! Merci beaucoup! Ça fait plaisir. Pendant que Diane va déjeuner et puis écraser également le lapin, déjà je vais demander de commenter, de liker et bien sûr partager cette vidéo. Et en même temps, ben, je peux vous dire qu'on a récolté des petites citrouilles. Alors, on a beau avoir foutu du pouce vite, finalement ça a poussé vite, mais petit. Donc je pense qu'il faut alterner entre vitalité et pouce vite. Pour que ça puisse fonctionner. En tout cas, bon, c'est pas grave. On a 4 petites aubergines et 4 petites citrouilles. Ça devrait faire l'affaire pour faire à manger et des conserves. Et puis ma petite Diane, ça va être l'heure pour toi de dormir. Ah ben, Ah bah non. Ah ouais. Je sais pas pourquoi t'es sorti sur ce qui devait être le jardin d'hiver de chez ta grand-mère. Si vous faites ce petit challenge, eh ben, vous rénovez également la maison que j'ai construite et que nous avons ici, et que vous pourrez peut-être la partager sur la galerie, et je vous ferai une vidéo spéciale. Je vais checker les rénovations que vous aurez fait. Pour le hashtag sur la galerie, pour que je puisse voir toutes vos rénovations, eh bien ce sera tout simplement Réno Charmante Campagne. Donc n'hésitez pas à vous les partager si vous avez déjà fini le challenge. Oui, 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 je sais, c'est sale, ça pue, tout ça. T'inquiète pas, c'est enfin, déjà mieux quand même, hein. Bon, c'est pas... Oui, c'est pas non plus grand luxe, on n'est pas au Ritz, hein, on n'est pas à tout ça, mais bon, c'est déjà mieux. C'est un peu moins visuellement dégueulasse. En tout cas, c'est là-dessus que moi je vais vous quitter pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un comme, un like et un partage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Charmante Campagne, ou pour autre chose sur la chaîne. Des gros bisous, ciao ciao.